l'origine. Non, mais qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour vous, quoi? Ouais, franchement, c'est pas naturel. On se fait harceler pour enregistrer. C'est top, hein, les autres podcasteuses qui enregistrent toutes seules, elles ont pu faire plein de podcasts. Ouais. Et nous, on se creuse un peu la tête, donc ça va être un petit peu particulier le format aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'appelle en visio, toutes les deux, on est sur Zoom. Voilà. Et on enregistre notre écran, donc peut-être ça va être horrible. On verra ce que ça donne. Bah, après, je crois qu'il y en a quand même deux, trois. Il me semble que j'en ai vu le faire. Bah, en fait, il y a les deux écrans sur un seul de vos écrans à vous, quoi. Mais c'est vrai que c'est particulier. Et on se disait justement, c'est le 13e podcast. Voilà, donc on ne sait pas s'il va nous porter chance. Donc demain, tout le monde est déconfiné. C'est le 13e podcast. Ouais, on peut voir ça comme ça. Le 13, ça va porter chance comme malchance. Non, ça va porter chance. Ça se trouve, on va tout enregistrer et à la fin. Boum. On n'aura pas enregistré. Ouais, non. Arrête. Bon, ce sera pas une session tricot. Donc, moi, je suis dans mon atelier. Ouais, voilà. Moi aussi. Plus ou moins, ouais. Donc, voilà, c'est le fond et pas comme d'habitude. C'est pas très chouette. Et en plus, j'ai une fenêtre en face de moi. Donc, tu es tout éclairée. Ça fait filtre automatique. Ouais, du coup, tu es toute blanche et moi, je suis toute bronzée. Bah, comme d'hab. C'est rien de nouveau sous le soleil. Ouais, ben là c'est flagrant. Mais par contre, on est inversé par rapport à d'habitude. On s'installe dans l'autre sens d'habitude. Ouais. À moins que ça réinverse. Des questions métaphysiques. Serons-nous inversés ou pas? Est-ce qu'on a dit bonjour à tout le monde? Non, même pas. Non, je crois pas. Tête en l'air sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Ravelry. J'adore ce moment parce que c'est là où tu dois dire. Alors, moi, c'est... Et normalement, je te regarde. Donc, c'est Coraline Go to New Life sur Instagram. Donc, j'ai fait le plus dur. Et c'est Bout de fil au singulier sur Ravelry. Mais un jour, je changerai... Ou pas, parce que les gens, ils sont habitués maintenant. Tu voudrais quoi? Je sais pas. Coraline Gotou. Gotou. Allez. Ouais. Alors moi, je vais pas parler de ce que je porte parce que c'est une chemise H&M. Ah bah bravo. Bravo. Ah bah si, moi, je peux parler de ce que je porte, en fait, je suis en train de penser. Ah bah... Ouais, je sais pas si on le voit bien. Ah non, c'est vrai que je suis en train de voir que... Je ne sais pas si vous allez voir bien les... Bah, ça, c'est le pull, le fameux pull de Nadia. Hein, si je me mets... Ah, mais tu as deux pulls. Ah oui, bah, on ne voit pas très bien. Ouais. Enfin, j'ai le pull de Nadia là-dessous, que j'avais fait le test et que vous l'aviez déjà vu. Et puis, le fameux True Back de Andrea Mori, hein, c'est ça, hein. Il est bien d'Andrea Mori, celui-ci. Oui, c'est ça. Que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait quelques temps quand même. Je me demande même si ça ne se calcule pas en année, là. Non, bah, c'était, tu l'as commencé, on faisait déjà les podcasts. Ouais, mais... Peut-être une petite année. Ouais, peut-être une petite année, ouais. Je sais que c'était de la laine qui m'avait... Enfin, ma belle-mère m'avait fait un bond chez Manor. Et donc c'était ton anniversaire, en décembre. Bah non, parce que l'année dernière, on n'a pas fêté. Parce qu'elle n'allait pas bien et tout ça, donc c'était l'année d'avant encore. Après, je ne les ai peut-être pas tricotées tout de suite, par contre. Donc, c'est la fameuse laine longue que j'avais achetée chez Manor, qui est une laine, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une laine un peu spéciale, tube, et avec pas mal d'air à l'intérieur. Elle est hyper douce. Ouais, elle est hyper douce. Alors, il y a un peu d'acrylique quand même, mais le reste, c'est de l'alpaga. Et donc, voilà, je l'ai fini. Il me restait, en réalité, il me restait le bas... toute la partie grise à faire, la partie la plus intéressante, n'est-ce pas? Donc oui, moi, je ne l'ai pas stické parce que dans sa première version, elle l'expliquait en aller-retour. Donc je l'ai fait en aller-retour avec du jacquard trois couleurs en aller-retour. Ah, mais elle l'a réécrit en le stickant? Je sais, il me semble qu'elle a... Alors, elle ne l'a pas réécrit en le stickant, mais il me semble qu'elle a fait une vidéo, une capsule où elle explique comment le sticker.
Donc, et sinon, il y a plein, comme elle l'a écrit en pull, elle l'a fait en pull. En réalité, vous pouvez du coup le faire en version cardigan en rajoutant juste les bandes, les patins, en fait. Voilà. Après, c'est vrai que le tricot aller-retour en vert, en trois couleurs. Bah, puis même le jersey. Ouais. Mais alors, le jersey en tant que débutante, tu peux le faire en aller-retour. Tu vois, c'est pas voilà, c'est embêtant, hein, c'est long. Mais tu peux le faire. Par contre, le tricot aller-retour jacquard trois couleurs en arrière en tant que débutante. Parce que des fois, tu as des rangs où il y a les trois couleurs en même temps. Ouais. Là, tu as des rangs où tu as les trois couleurs ensemble. Ici, là, en fait. Là, il y a le bleu, le vert et le rouge, en fait. Tu as deux rangs. Comme ça, non, tu sautes quatre rangs. C'est pas du tout pour les débutants, en fait. Alors, pas cette version-là, mais peut-être le pull. Je l'ai pas pris en pull, hein, en version pull, mais peut-être le pull est faisable si vous avez géré la tension. Alors c'est vrai que moi, je vous ai pas dit, mais je m'intéresse maintenant au tricot un peu débutant ou ce qui peut être fait par une débutante et tout ça, parce que là où je monte à cheval, Charline, en fait, qui est ma prof de cours, en fait, et puis celle qui débourre mon cheval, elle s'est découverte une passion pour le tricot. Mais quand je dis une passion, c'est une passion. Hein. Comme ah non, mais tous les jours, tous les jours. Ah, mais elle est je rêve tricot, fascinée. Je dors tricot, je pense tricot. Après, c'est normal, Charline. Après, c'est marrant. Hein. C'est soit ça prend, soit… Voilà, moi, j'ai d'autres personnes qui m'ont demandé et ça prend pas comme ça. Quoi. Ouais, bah moi, c'est pareil. Sur les cours débutants que j'ai donnés, il y en a qui ont continué et d'autres… Ouais. Donc, mais t'en as qui sont vraiment, je veux dire, le truc, elle me dit, j'en rêve la nuit, quoi. Donc ouais. Là, elle est déjà en train de prévoir un mur où elle va acheter toutes ses laines. Oui, d'accord. Et c'est elle qui a les nez noirs du Valais, les moutons. Donc là, on est en train de nettoyer les toisons et tout ça, et on est déjà en train de penser au filage. Enfin, ouais, c'est. Je prends quand c'est prêt à filer. Mais non, mais toi, tu vas devoir venir aussi parce qu'on va organiser des journées initiation et où on aimerait montrer le produit de A à Z, en fait. Donc du mouton. Non, moi, si c'est pour filer, qu'il n'y a pas de caca de mouton dessus. Oui, parce qu'Elodie adore les caca de mouton et l'odeur du mouton, ça, ouh! C'est un peu... C'est précieux. C'est vrai que ce jour-là, quand il s'agissait du tri de la toison, Elodie est... Attends, je te filme, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, ben, c'est marrant de donner des cours comme ça parce que finalement, ça, fin, du coup, je pense à des choses auxquelles je ne pensais pas avant. Bah ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'elle pourrait faire? Non. Qu'est-ce que voilà. Donc elle a commencé par un snood. Là elle est en train de faire le châle de Anna à longue avec Anna. Le châle RL. Ouais. Donc voilà. Non mais c'est chouette. C'est chouette de partager ça aussi. Donc voilà ce que je porte. Eh ben on n'est pas rendu hein parce que si c'est tout ça pour ce que je porte. Tu m'étonnes. J'ai mis 1h45 hein, la réunion. Ah ouais. Ah, on peut publier. On peut en parler parce que finalement, de toute façon, ça sera. Bah oui, ce sera. Après, ça va pas être possible de le faire avant. Ça va pas être possible. T'as à pied? Ah ben, ça va être long, hein, parce oui, que l'importation. Je suis en train de me battre avec. Je sais pas ce que j'ai fait en fait. Ah voilà. Oui, parce que donc on vous en a pas parlé. Je démêle, vous voyez, c'est sympa. Hein. On vous en a pas parlé là parce que c'était un peu secret, enfin un peu beaucoup même. On a fait un petit, je sais pas comment ça s'appelle, ces vidéos où en fait on est plusieurs podcasteuses surtout. Il me semble. C'est un montage. En fait, c'est un. Bah, de toute façon, vous l'aurez découvert à l'heure où on vous parle. Hein. Enfin, oui. À l'heure où on va publier le podcast, je pense qu'il sera déjà bien tourné sur les réseaux. Ouais. Donc en fait, on a fait une vidéo entre podcasteuses où on dit une phrase par rapport au confinement et au virus.
On se passe un écheveau de laine. On essaye de se passer. Non, c'est bien. C'est bien fait. Donc voilà, j'espère que vous rirez bien en regardant la petite vidéo, notamment le bêtisier. Donc voilà, c'était assez drôle. On a mis. Ouais, elle est en ligne parce qu'on a déjà 6 vues. Ah oui. Donc ça a marché. Donc vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube. Voilà. Elle est en ligne depuis là, dimanche 11h. Et moi, je l'ai mise aussi sur mon IGTV. Oui, moi, j'essaye aussi. T'essayes. Voilà. Donc, est-ce qu'on parle des projets terminés? Ouais. Alors, moi, il y a déjà celui-ci. Hein. Tu veux que je finisse les miens et puis tu commences les tiens? Ouais. Donc, moi, il y a on peut dire que c'est un projet terminé. Alors après, il faut bien sûr que je reprenne mes petites notes. Heureusement que j'ai mes notes. Je me suis finie celle-ci. Je sais pas, voilà. Voilà, c'est comme ça. Hop là. Elles sont sympas. Hein. Donc, ouais, elles sont vraiment chouettes. Hein. Il y en a bien deux. Hein. Les filles sont bien rentrées et tout et tout. T'as vu ? En même temps, et je les ai beaucoup, beaucoup portées. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a quand même un peu d'usure. Mais la laine est vraiment bien. Je les passe à la machine à laver et à sécher. Et elles ressortent… Au séchoir. Ouais, au séchage. Eh ouais. Enfin, elles n'ont pas fait exprès. Hein. Ah oui. Non, mais… Ok. Voilà. Il y a des femmes qui se plaignent que leurs maris ne font pas la lessive. Moi, le mien, il fait la lessive, mais voilà. Pas trop en demander non plus. Hein. Mais des fois, je me demande si je préfère qu'il ne fasse pas la lessive, en fait, ou juste la partie lavage. Là, elles sont sorties nickel, finalement. Mais là, elles sont sorties nickel, ouais. Donc, c'est le modèle Jerry Roll. Je ne sais pas, je n'ai pas noté, mais je vous le mettrai dans la barre de description. Et les laines, c'est les laines Zidron. Voilà. Donc, il me semble que c'est 75 et... Hein ? Taking ou je sais pas quoi, là ? Ouais, Taking Citron. Mais je sais même pas si elles sont toujours d'actualité. Hein. Ça ? Ouais, c'est ça. C'est 75 de laine et 25 de nylon. Ouais. 420 pour 100 grammes. Franchement, elles sont pour passer. Je vous les montre là. Elles ont beaucoup été portées. Alors, c'est des chaussettes que je porte surtout à la maison, en fait. Il y a un petit détail de rang en vert avec des couleurs ici, là. Et puis un petit détail de. Voilà. Elles sont rapides à faire. Hein. Je les ai faites en 3 jours. Oui, c'est des sauts. Ouais. Elles se démarrent par la pointe, elles se commencent par là. À la cheville. Okay. Ouais, par la cheville. Elles se commencent par la cheville parce qu'en fait, on fait un premier rouleau. Là. Qu'on raccroche avec la deuxième couleur. Et ensuite, on part comme ça. Il y a un jeu de. Voilà. Ouais. C'est un patron payant. Hein ? C'est un patron payant ? Oui, il me semble qu'il est payant, ouais. Ouais, il est payant. Donc, il y a celle-ci. Et puis, alors après, en termes de chaussettes, mon mari a eu son anniversaire hier. Ah oui. Voilà. Oui. Il est né le 2 mai. Ouais. Ah, bah c'est le jour de la fête de Boris. Non. C'est marrant. Bah, je m'en rappellerai. Ah bah ouais, bah voilà. Ouais, le 2 mai, il est né. Et moi, le 17. On est tous les deux taureaux. Voilà. Que voulez-vous? Et donc, il m'avait demandé des chaussettes. Et il m'a demandé des chaussettes. C'est déjà pas mal. Mais il voulait des chaussettes plutôt courtes, pas trop longues. Et donc, du coup, je lui ai fait. Hop. Alors, c'est la même laine bleue que j'ai fait les Zitrons, là. Donc, du coup, je lui ai fait une paire toute simple. Hein. Il n'y a pas de modèle. Il y a juste j'ai commencé par les côtes. Faire un petit bout de tige, le talon renforcé. Alors, la seule chose que j'ai faite aussi, donc elles ont été portées hein, depuis hier. Vous n'allez pas voir grand chose, mais en fait, hop, hop, voilà. Le bout du talon,
Parce que lui, on n'a rien. Enfin, moi, j'ai rien vu. Alors, je sais pas ce que ça. Le problème, c'est que je sais pas si on va voir grand chose. Mais en fait, ici, là, ça, c'est le bout du talon. Alors, on voit pas bien. Mais en fait, le bout du talon, je l'ai renforcé aussi. C'est-à-dire que j'ai renforcé cette partie-là qu'on fait d'habitude, hein, le dos du talon, mais aussi le petit arrondi qu'on fait. Je l'ai tricoté aussi en aller-retour pour le renforcer un peu parce qu'il use très fort ses chaussettes au niveau du talon. Voilà. Et puis bah, après, je suis descendue jusqu'à la pointe, j'ai fait les diminutions. Voilà. Les chaussettes toutes simples, mais efficaces. Parce que les dernières chaussettes que je lui avais fait, je lui avais fait le talon après coup. Et du coup, elles se sont usées super vite. Ouais. Alors, je vous dirai avec celui-ci. Hier, j'ai fait ma lessive de chaussettes. Ouais. Donc, je les lave ensemble. Et c'est vrai que je regardais en les pliant une fois qu'elles étaient sèches. Eh bien, les talons les moins usés, c'est les talons renforcés. Hein. Ah, bah oui. Je pense que c'est le fait déjà qu'ils soient renforcés avec les mailles glissées, ouais, et tout ça, mais aussi la façon dont tu les portes. Enfin, tu vois, moi, oui, parce qu'elle goussait. Il se met mieux dans mon pied, quoi. Ouais. Oui, et elles goussaient, elles sont plus ergonomiques. D'ailleurs, il m'a fait la remarque, hein, il m'a dit ah, c'est marrant, elles me tiennent mieux au talon. Donc, et moi, ce que j'aime pas du tout, c'est le talon en rang raccourci. Je déteste le talon, quoi. Le flichy, non, pas forcément ce modèle-là. Enfin, moi, je le fais avec des rangs à l'allemande. Là. Enfin, ah oui, d'accord. Mais bon, je trouve que... Je crois que j'ai dû le faire une fois. Et encore, je fais plus... En fait, maintenant, c'est vraiment... Alors, soit le talon après coup, et c'est rare, parce que la laine s'y prête et que je veux garder les... Voilà. Je me dis, mais pourquoi j'ai un trou, là? Oui. C'est ma boutonnière. Ah, bah... Voilà. T'allais démonter pour refaire. Elle sait plus qu'elle tricote. Et tu aurais refait avec une boutonnière. Je sais pas ce que j'aurais refait, mais bon, c'était... Elle est pas, quoi. C'est normal. Tout va bien. donc, voilà en gros. Parce qu'après, moi, c'est des objets non finis, n'est-ce pas? Ah, moi, j'ai plein de projets finis. Alors, on va dire finis, sauf qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas bloqués, mais... J'en ai offert, en fait. J'ai fait des chaussettes pour Charline, j'ai fait un bonnet, ouais, pour ma sœur que j'ai offert. Donc, Alors moi, j'avais acheté... j'ai peut-être déjà montré, mais j'ai fini la paire, du coup. J'avais acheté à Lily Comme Tout, à la grande mercerie, oui, je ne vais pas y arriver. À Paris, fin novembre, j'avais acheté le kit West Shire. Ouais, WYS. Voilà, c'est ça. La laine signature, le kit de Noël. Donc, il y a deux pelotes. Il y a une pelote qui fait les motifs là et une pelote qui est toute rouge. Voilà. Donc, j'avais acheté ça pour faire pour Eline. Sauf qu'elle n'aime pas trop, ça la gratte. Donc, faut que je l'ai... Ouais, c'est vrai que la laine, c'est pas de la mérino nylon, quoi. C'est celle avec laquelle j'ai fait les chaussettes de Nathan. Tu sais, les chaussettes bleues, là. Ouais, elle est un peu plus chochotte que Nathan, quoi. Non, il faut la passer. Moi, avant qu'ils les mettent, je l'ai passée à la lanoline, quoi. Enfin, tu vois, le produit que tu rinces pas, ouais. Par contre, j'aimerais bien trouver des bloqueurs pour enfants. Donc, j'ai vu qu'il y en a chez Butinette. Ouais, j'ai commandé ceux en plastique, là. Oui, mais toi, c'est des taille 35, du coup. La plus petite taille que tu as commandée, c'est 35. Et moi, elle fait du 30, Eline. Ah ouais. J'ai même pris la taille d'après. Hein. 37, il me semble. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'était mon premier projet terminé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du confinement, vers le 20 mars, j'ai sorti tous mes encours. J'en étais à 8. Et je me suis dit, il faut vraiment que je termine parce que j'avançais plus rien. Donc, j'ai terminé tous mes encours, en fait. Moi, j'ai défait beaucoup. Du confinement. Ouais. Donc, j'ai terminé le... Donc, pareil, qui n'est pas bloqué. Allez, comment il s'appelle ? Starflex. Le plaid, De Stephen West. Donc, je l'ai fait pour ma tata. Et je voulais lui envoyer, mais j'ai un peu peur avec la poste, là. Je me dis si je me le fais piquer ou... Mais si tu l'envoies en suivi ? J'ai pas très envie. Tu sais, des fois, même ça... C'est pour l'envoyer où ? En Bourgogne. En Bourgogne, ouais.
Donc, pareil, bah, j'ai encore des fils à rentrer. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai tricoté un pull à la machine. Donc, c'est tout tricoté à la machine. Il était plié dans mon panier, donc ce n'est pas super chouette. Donc, en fait, c'est un ourlet replié. Jersey, ouais. Voilà. Donc, tout se fait séparément. Hein. Le corps se fait séparément. À l'ancienne. Le devant, le dos. Donc, c'est un drop shoulder. Donc, c'est presque des rectangles, sauf qu'on fait l'encolure là. Enfin, il y a quand même le creux de l'encolure. Donc, c'est un pull crop. Et tu as pris un modèle ? Ouais, en fait, j'ai suivi un cours sur Blueprint. J'ai suivi un cours en anglais qui était super bien fait. Ah, c'était le cours là. C'est voilà. Anciennement Crafty, non ? C'est pas ça ? C'est pas eux qui est. Ouais. Je sais même. Et pareil, les manches sont tricotées. Donc, les manches, pareil, les. Moi, j'ai rentré aucun fil, j'ai honte. C'est quoi ? Inversion des rôles, bonjour ! Les côtes, c'est, je les ai tricotées en jersey. Et puis, en fait, après, une maille sur deux, je les fais tomber la maille jusqu'en bout et je les ai remaillées avec un crochet. Après, je les ai faites à la main, enfin à la main. Sur la machine, j'ai fait les, je ne sais pas combien de rangs de jersey. Et ensuite, les côtes, je les ai, j'ai défait complètement une maille et j'ai remaillé. T'as pas fait avec la double fonture ? Non, j'ai fait avec la broseur. Enfin, mais c'est comme ça qu'elle t'explique dans le cours ? Oui. Oui, c'est comme ça qu'elle explique. Et ensuite, pareil, donc les épaules sont cousues à la machine. C'est un rabat à trois aiguilles, mais à la machine. Et puis après, on peut soit faire une encolure, pareil, comme un ourlet replié, comme le bas. Ou alors, j'ai fait des côtes à la main. D'accord. J'ai fait quelques rangs. T'as repris et puis t'as fait tes côtes à la main. Ouais. Ouais. En fait, là, les mailles étaient en attente, donc je les ai reprises. Là, j'ai relevé les mailles, mais je trouve, tu vois, les diminutions, c'est super joli, quoi. Ouais, ah bah c'est précis. Les diminutions machines, enfin voilà. Alors après, le seul truc, c'est que je ne vais pas assumer ni la couleur, ni le bariolage. Et en fait, tu l'attends ? Non, c'est pas moi qui l'éteins, c'est de la... Non, mais tu vas le reteindre, non ? Ouais, je pense que je vais le surteindre en noir. Tu vas le surteindre, ouais. En foncé ou en noir, je sais pas. Et en fait, on voit bien, c'est que là, c'est deux écheveaux différents. Ouais, j'allais dire. Hein. L'autre côté, ça va encore, je trouve, tu vois. Ouais, bah, dans le dos, ça va. Mais bon, ouais. Du coup, les gens ne peuvent pas marcher tout le temps en arrière. Bah, écoute, c'est un style. Bon, là, c'est vrai que ça fait vraiment un sacré pooling. Je pense que c'est une laine qui irait mieux dans un châle ou, tu vois, que dans un pull. Ouais. Donc voilà, j'ai vu que alors les pièces ont déjà toutes été bloquées, mais bon, je pense que je vais le rebloquer un petit coup à la vapeur offert. En entier. Ouais, et puis le surteindre, je pense. Et donc, du coup, il y a combien d'échevaux là ? Il n'y a pas tout à fait 3 échevaux, il y en a 2,60 à peu près. Moi, quand je faisais à la machine, j'avais remarqué, mais je ne sais pas si c'était une vue d'esprit ou quoi, j'avais l'impression en tout cas que ça utilisait moins d'échevaux que tricoter à la main. Si je prenais un même pull, j'avais la sensation d'utiliser moins d'échevaux. Alors, est-ce que c'est parce que c'est… Peut-être. Après, là, je ne peux pas vraiment comparer parce que… Il n'a pas fait, ouais. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il est crop. Alors que c'est rare qu'il fasse des pulls crop. Après, c'est un super basique pour faire un pull tout simple. Oui. Enfin, si tu veux faire un pull tout simple, même un peu plus long, je trouve le modèle est super bien fait. Ouais, si tu fais dans des couleurs neutres. Tu as 3 tailles disponibles, tu fais ton échantillon, tu règles ta tension et ensuite tu as tous les calculs qui sont faits, tu n'as plus qu'à remplir. C'est vraiment bien fait le cours. Bien faits. Moi, j'avais pris des cours de filage. On peut, sur Blueprint, on peut. Alors, je crois qu'avec le confinement, ils avaient fait une offre, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et on peut faire genre 2 semaines d'essai. Donc, ça laisse largement le temps de suivre cours ou deux, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Alors, je suis désolée, j'ai plein de projets presque finis. Donc, oh mon Dieu. Bah oui, sois désolée, quelle horreur. Il est dans mon panier, c'est tout froissé. Donc ça, c'est un t-shirt. Ah, ça sent, c'est impressionnant l'odeur. Donc c'est lin et bambou. Ah, l'odeur du tissu. Ouais. Alors, celui-là, je vais le passer direct en machine pour voir si ça, ce que ça donne au niveau du tissu. Machine. Il est hyper... Ouais, en machine, ouais. Il est hyper transparent. On voit pas bien si c'est. Enfin, il a pas. Enfin, en tout cas, il a pas l'air à la caméra. Ouais, non. Même en mettant ma main dedans, on voit pas. Mais en tout cas, je t'ai envoyé une photo. Si, j'ai vu quand tu l'as écarté, on a vu. Ouais, c'est vrai qu'on voit à travers.
quand je le porte, on voit vraiment au travers. Mais bon, je me dis, pour porter sur un petit débardeur ou alors une robe ou voilà, l'été. Donc, c'est un t-shirt d'été. Hein, c'est lin et bambou. C'est 70 de... Bon, je me souviens c'était pas. Qui c'était celle Yann de... Yann by Simon. Ouais, voilà. Non, en boutique. Et elle... donc là, j'ai utilisé un échevaux et demi à peu près. Donc c'est banane le coloris ou banane. Donc, c'est un jaune banane. Ah bon. Et alors le modèle, en fait, je l'ai commencé en vacances l'année dernière. Et le modèle, en fait, c'est le gilet Margot. Sauf que moi, je l'ai tricoté. Donc en fait, on fait le dos et puis après, c'est un gilet. Donc il est tricoté en aller-retour. Mais moi, au moment d'arriver là, bah, j'ai rejoint en rond. J'ai pas fait les motifs. Il y a un motif sur le gilet le long de la bande de boutonnière. Bah, je l'ai pas fait. J'ai juste fait en fait les raglans. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout. Pas forcément la laine la plus agréable à tricoter. C'est de la laine végétale. De toute façon, le lin, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter. Mais ça va. Après, c'est pas du tout élastique comme fil. C'est vraiment. C'est très spécial à tricoter, quoi. Donc voilà, mais je le porterai beaucoup. Hop là, j'en sors. C'était il y a un an qu'on a tourné. Voilà. Non, mais en fait, je les ai tous finis, enfin, les uns après les autres. Je t'ai envoyé les photos. Et encore, c'est un test. Les t-shirts que je t'ai envoyé hier pour Éline. Ah ouais. Que j'ai fait pour Anna, je peux pas le montrer. Ah, donc, voilà. Moi, je l'ai vu si jamais. Donc, je le montrerai dans le prochain. Celui-ci était en cours. J'ai regardé tout à l'heure le podcast qu'on a tourné la dernière fois. C'est le pull So Basic Sweater de Maxime Cyr que j'ai tricoté pour Boris en laine. C'est dommage, la couleur, elle ne rend pas du tout. Non, si tu l'approches un peu, il y a trop de lumière, je pense. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus. Il est impossible. Beaucoup plus foncé en fait. Enfin, profond. Il est plus vert, puis plus vert. Ouais. Enfin, plus, il s'appelle Peacock, c'est la Féfil, donc c'est sa base mérino. Donc c'est pareil, il faut qu'il soit bloqué et il sera beaucoup plus joli. Donc j'ai fait la deuxième taille, je crois, pour mon mari ou la première. Attends. Oh purée, j'espère que j'ai noté dans Ravelry, je ne m'en rappelle plus. J'ai eu mes pile. La bonne. Il y a combien de tailles? Oh, je ne sais plus. Non, je crois que tu as fait la deuxième. Ouais, je crois que j'ai fait la deuxième. Donc, il est extra. Donc, c'est hyper simple comme modèle. C'est d'ailleurs le nom So Basic. Donc, c'est un pull raglan. Sauf que sur les épaules et les manches, vous avez ce jeu de côtes. Donc, ça doit être des côtes 7-1. Je ne sais pas comment montrer correctement. Si, on voit. Voilà. Ouais. Et je trouve que ça ajoute tout, quoi. Alors, j'ai encore pas négocié avec lui le modèle. Ouais. Mais bon... Il va être très joli comme ça aussi. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de le bloquer cette semaine. Mais bon, c'est vraiment pas la partie que je préfère bloquer. Ouais, mais en même temps, ça rend tout le truc au pull. Bah ouais, c'est ça. Mais en même temps, il faisait tellement chaud ces derniers temps que je me suis pas activée pour le faire. Et là, Bah d'ailleurs, j'ai pas pris les chaussettes que je lui ai faites pour vous montrer. J'espère. Donc là, moi, j'ai dû les enlever, hein, les chaussettes. Il les portait, il me regardait, mais je les porte là. J'ai terminé les chaussettes que j'avais commencé avec toi dans le train, tu sais, quand on est là. Donc, c'est Vanilla is the New Black, je ne me souviens plus de la créatrice. Donc, c'est un patron qui est payant. Comment dire, je trouve que si tu as déjà fait des chaussettes, que tu comprends un peu la construction de la chaussette, ok. Mais si tu n'en as jamais fait, il n'est quand même pas hyper fluide, le patron. Ouais, il n'est pas un petit douet. Donc, le talon est super sympa. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué pour ce modèle. Ouais. Donc, non, mais déjà, j'allais dire que même si tu as déjà fait des chaussettes, je veux dire, quand même, dans une chaussette, le complexe, c'est quand même le talon. Si tu as déjà fait des chaussettes, mais que ce talon-là, il est quand même particulier, hein. Ouais, et puis en fait, la grille d'augmentation, tout ça, parce qu'en fait, donc tu commences par la cheville, tu descends là, puis après, tu augmentes avec les côtes, là. Ouais.
Toi, mais moi, j'ai un peu bugué sur le coup pour comprendre ce que je faisais, quoi. Après, je trouve le tricot, des fois, quand tu lis, tu comprends pas. Oui, oui, mais quand tu fais. Mais quand tu fais, tu comprends. Et souvent, même moi, quand je fais tester des patrons, j'ai plein de questions des testeuses. Mais une fois que tu es dedans, tu comprends. Ouais. Bah, je veux dire, c'est fait pour être compris au fil de l'eau, quoi. C'est bien de lire une fois le patron. Voilà. Donc, moi, mais la première lecture, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Ouais, mais après, peut-être aussi des fois quand tu as l'habitude, trop l'habitude de faire d'une manière ou etc. Et puis tout d'un coup, c'est une nouvelle manière, tu es un peu genre, bah non, là, je ne dois pas commencer ça, là, je dois faire ça. Après, le gros avantage de ce talon, c'est que tu ne relèves jamais de maille. D'accord. Tu ne relèves pas de maille, donc tu fais tes augmentations, etc. C'est que des augmentations. Et après, des diminutions. D'accord. Voilà. Ah, il est vraiment beau. Il relève pas de maille. Il est super beau et il tient bien la jambe. Et je crois que le patron, du coup, est réversible. D'accord. Tu vois, vu que t'as pas. Enfin, tu vois, tu peux mettre côté jersey en vert. Ouais. Bah oui, puisque tu n'as pas de relevé de maille, donc tu n'as pas de. Ouais. Tu vois. Bon, après, ouais. La laine, c'est de la laine que j'avais achetée à l'anniversaire de Lana et Tricot. C'est Olan. Oui. 100% elle est bien. Ouais, super. Alors déjà, super sympa à tricoter. La couleur, bah, moi, j'adore, même ouais. Si j'ai du mal à vous la rendre correctement. Elle a l'air bien profonde. Ouais. Après, j'en ai mis une photo sur Instagram où on voit mieux la couleur. C'est de la 100% BFL et c'est pareil, en pliant mes chaussettes, hier, je me faisais la réflexion que mes chaussettes en 100% BFL vieillissent beaucoup mieux que Mérino nylon. Ouais. Impressionnant. Ouais. C'est alors qu'il n'y a pas de nylon dedans, mais la particularité du BFL, c'est que les fibres sont plus longues. Donc, oui, puis s'il est bien retordu, serré, normalement ça devrait aller. Elle est vendue comme de la BFL socks. Donc, d'accord. Je pense qu'elle a un twist qui est intéressant. Oui, ouais, elle doit avoir un high twist. Donc, voilà. Alors là, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche, mais je me suis mise à tricoter des... En fait, j'ai suivi dernièrement Claude Tricot, donc Claudia qui habite au Canada, Québec, je dirais même, qui fait des podcasts. Et je ne sais pas, un jour, j'étais tombée sur une vidéo machine à tricoter. Donc, je me suis abonnée à son compte Instagram, donc Claude Tricot, C-L-O, Tricot avec un S à la fin. Et elle montrait qu'elle faisait des chaussettes à son mari. Donc, en fait, je lui pose la question, est-ce que tu tubes les chaussettes à la machine et ensuite tu fais… voilà, donc en fait, c'est le cas. Elle fait son tube mm-hmm. à la machine et ensuite, elle fait son talon, ses pointes et ses côtes après coup. Donc, je fais des tubes à la machine. Des mini-écharpes, c'est mignon. Donc là, c'est un tube pour les enfants, mais avant, j'ai fait un tube pour adultes. Donc, j'ai fait un tube pour 5 paires de chaussettes. Donc, l'avantage, c'est que mon mari et moi, on fait le même tube. Donc, je monte 60 mailles et je tricote en rond. Chut. Ah oui, et, un avantage. Je tricote les écheveaux au fur et à mesure. Donc, en fait, quand je fais un tube, bah, je tricote. Bon, là, j'ai 2 paires de chaussettes pour les enfants. Et ensuite, bah, je continue avec l'autre écheveau. Le prochain. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que dans un écheveau de 100 grammes, je peux faire, bah, ça dépend des marques, ça dépend comment ça mettre, mais par exemple, celle-ci, j'ai pu faire une pour moi et je vais pouvoir faire 2 pour les enfants, enfin, une paire pour chaque enfant. D'accord. Donc, ça me fait 3 paires de chaussettes en faisant les talons pointes. C'est des 400 400 mètres, celle-là. Bah oui, c'est la signature, du coup. Donc, ah oui. Ensemble. Donc voilà, donc je fais des tubes et puis après, bah, avec mes aiguilles, je viens couper mon tube. J'ai fait des stories, j'ai mis en story permanente comment je faisais. Et après, bah, je fais mes talons, mes pointes, etc. Après coup. Donc par exemple, bah, celle-ci. Donc l'avantage, c'est que le tube, pour une paire, ça me prend 15 minutes. Ah. Et après, ça me prend à peu près 20-25 minutes par pointe, côte et talon. Donc moins de 3 heures, j'ai une paire de chaussettes. T'as une paire de chaussettes, ouais. Ouais, puis c'est hyper régulier. Ouais, les fils sont rentrés et elles sont même bloquées, sauf qu'elles étaient pliées, donc on ne voit pas. Ouais. Donc voilà. Donc ça. Une vraie usine à chaussettes. Ouais, mais en fait, je me dis pour les laines, c'est tellement pas intéressant de tricoter des laines à rayures en jersey. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère faire de la dentelle, des torsades.
Donc, je trouve pour les laines auto-rayantes, eh bien, voilà, hop, tu fais ton tube et t'as bon, après, il y a des gens qui aiment justement le côté auto-rayant, quoi, qui veulent voir la prochaine rayure. Bah, après, oui, bien sûr, après. Ouais. Donc, celles-ci, elles sont hyper longues. C'était mes premiers essais où j'ai fait 265 rangs. Mais voilà, finalement, je fais moins. Je fais 250 rangs pour ma taille. Et ça, ce sont les toutes premières. Donc, c'est de la laine que j'avais gagnée chez Lanae. Ah oui, je me souviens. Donc, il y avait un petit tirage au sort. On mettait notre nom dans un ouais. sachet. Il y avait un petit tirage au sort. Donc, j'avais gagné un patron d'Anna et puis une laine. Tu t'en revenais pas. Ouais, je gagne. Enfin, je gagne jamais. Non, ça arrive de temps en temps que je gagne. Mais... Bah oui, la preuve. Donc, voilà. Et puis ça, c'est de la laine que j'ai teinte au curcuma. Le jaune qui fait les pointes. Ouais. Il est bien jaune, hein. Ouais, et encore... Et encore à l'écran, moins que dans la vraie vie. Ouais. Ah oui, bah, d'accord. De toute façon, je l'ai mise sur Instagram. J'en ai fait une autre paire déjà pour mon mari qui porte, il les porte tous les soirs. Alors lui, il les met très rarement dans les chaussures. Oui, moi aussi. Il aime bien les porter à la maison. Jour, voilà, pour avoir ouais. chaud. Donc voilà. Et puis, donc, j'ai fait tout un tube pour moi, pour adulte. Et puis après, avec les restes, eh ben, j'ai fait. Un tube pour enfant. J'ai optimisé mes écheveaux. Donc là, il y a 5 paires pour enfants. D'accord. Donc moi, il m'en reste encore 2-3 à faire les talons, etc. Quand je n'ai pas envie de réfléchir, je fais un talon ou je fais... voilà, c'est ma ouais. petite passion. Et du coup, ça va dans ma boîte de bas. Ça va dans ma boîte de bas. Dans ma boîte de bas, il y aura aussi celle-ci. Donc ouais, celle-ci, ouais. Je l'avais testée. Donc c'est de la laine, c'est de la BFL 100% que j'avais teinte à l'avocat. Et que j'avais testé pour Joséphine and the Seeds qui a participé à l'écriture du livre Lainé Magazine. Mm-hmm. On va pas bien les voir. Elle s'appelle Artichoke. À force de le voir, moi, je vais finir par craquer. Hein. Ouais, et en plus, il est vraiment très, très sympa à faire. Et voilà. Elle m'arrange pas du tout. Là. Donc, on commence avec un Judy Magic Caston, donc par la pointe. Et t'as une tresse laitonne? Et ben c'est pas une tresse laitonne, pas tout à fait, ouais. Croisé, voilà. Donc voilà pour la pointe, ça fait une très jolie pointe. C'est des côtes torses, voilà. Et puis un talon renforcé, mais avec des côtes torses. Donc c'est encore un autre, une autre sorte de talon avec un bas. Etc. Pareil, un talon renforcé, donc depuis la pointe, on ne relève pas. Voilà. Ouais. Ça m'a un peu réconciliée avec les talons. Et puis après, une petite dentelle. Alors, par contre, moi, ce que je vous conseille, pourtant, moi, je tricote quand même assez lâche. D'ailleurs, c'est ce qu'elle conseille dans le patron au niveau du motif. Là, de ouais, prendre, pour éviter d'avoir quelque chose qui se resserre. Ouais, une demi-aiguille ouais. supplémentaire. Ouais. Moi, par exemple, je pense qu'il faudrait parce que. Donc, j'ai commencé la deuxième qui est tombée. Voilà, ah, ça, c'est plus d'Élodie. Plus d'Élodie. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième il y a quelques jours, mais j'ai d'autres choses à faire. Ouais. Moi, je crois que je vais craquer voilà. pour le livre. J'en avais parlé ou pas du... Ah, c'est ça, j'ai oublié de descendre le Nikki Book. Je sais plus. Tu l'as pas? Tu l'as? Non. Qui? Non, je l'ai pas. Voilà, donc j'en avais parlé. Je crois que j'en avais parlé du livre de chaussettes. J'ouvre une page. J'ouvre une page et je tombe sur un trop beau modèle. Et voilà. Mais en fait, ils sont tous trop beaux, les modèles. La seule chose apparemment que les personnes qui en parlaient dans les podcasts ou ailleurs d'ailleurs disaient, c'était que pour les débutantes de nouveau. Ah bah c'est que des patrons. Voilà, ouais, c'est que des patrons et qu'il n'y a pas d'explication de technique ou ce genre de choses. Donc voilà. Par contre, les patrons sont magnifiques. Ouais, les patrons sont chouettes. Bah après, ouais, c'est un... pour si tu fais des chaussettes, je trouve ça. J'en parlais, on a fait un tricoté sur Zoom avec le tricoté d'Annecy là, la semaine mm-hmm. dernière. Et bah, c'est ce que je disais, c'est un... si tu adores les chaussettes, bah, tu as 52 patrons de ouais. chaussettes. Il n'est pas donné le livre, hein. Il est à 40 euros, je crois. Ouais, Donc voilà, après, c'est sûr que. Si tu as, si tu aimes les chaussettes, ouais. Ouais, c'est un très très. Ouais, et puis les patrons sont vraiment beaux et enfin il est vraiment chouette quoi. Donc voilà pour mes projets terminés. Alléluia.
2 heures après, la fille a fini de présenter ses projets. Ouais. Bon, alors on fait les objets en cours? Ouais. Bah, du coup, moi, j'ai montré ma chaussette, là. Bah, vas-y. Ah oui, t'as montré ta chaussette, ouais. Ah, elle est repartie. Non, non, je suis pas loin. On a perdu Elodie. L'avantage, c'est que je suis dans mon atelier. Du coup, elle va chercher ses laines et... Non, je voudrais vous montrer autre chose en cours. Voilà. C'est bon. C'est bon, t'es là? C'est là. Mais vas-y, commence. Alors, en cours, eh ben, j'ai celui que je suis en train de faire là, que j'espère finir un jour, le balloon sweater. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Bah, en fait, il est un peu difficile à vous montrer parce que je suis en train de faire les manches en même temps, n'est-ce pas? Mais sinon, bah, tout le corps est fait, donc avec une sacrée bande. C'est quoi, c'est gris? Non, il est rose. Ouais, mais je sais pas comment. Ah oui, non, mais je me souviens. Tu l'avais commencé la dernière. Oui, je me mets là, ça, non. Non, c'est toujours gris ou blanc. Voilà. Bah, il est rose. Bah, alors après, c'est un rose très pâle, hein. Très, ouais. Très pâle. Donc, en fait, si vous voulez, je le double. C'est pour ça que je m'amuse avec tous mes fils, n'est-ce pas? J'ai un fil, deux fils de bambou, soie et merino lace ensemble blanc. Et j'ai un fil de mohair. Rohan, rose. Donc effectivement, il est rose, mais ouais, hyper pâle. Je vois, rappelle, voilà. On le voit mieux dans le dernier podcast, tu l'avais montré. Oui, sans... oui, oui. Puis je le mets, je crois, de temps en temps quand je l'avance. Voilà. Donc après, là, c'est... ça va être fini. Oui et non, parce que en même temps, les manches, en fait, elles sont super longues parce qu'elles sont super larges. Il n'y a pas du tout de diminution. Les seules diminutions. Ouais, c'est ça. C'est le les manches ballon. Hein. Donc, ça, c'est une manche. Et je pense que les deux manches en même temps, c'est plus large que tout mon corps. Ouais. Donc, voilà. C'est d'ailleurs… Donc, cette semaine. Hein? Cette semaine. Ouais, c'est ça. Si tu voyais les autres en cours que j'ai, non. Bah, si tu tricotes que ça. Ouais, mais c'est que du jersey, tu vois. Enfin, il y a un moment donné… Alors, il a des détails qui sont assez sympas parce que je suis pas sûre d'en avoir parlé la dernière fois, d'avoir fait ça. Mais ça, voilà, c'est sur l'épaule. Donc, on a un jeu de mailles glissées sur l'épaule. Voilà, j'ai hâte de le finir. Il ne sera certainement pas à mettre pour cette saison-là, hein, parce que deux brins de lace plus du mohair, bah, vous le voyez un peu, hein, c'est hyper fluffy, c'est hyper chaud. Juste quand je l'ai sur mes genoux, je me meurs. Mais, j'ai perdu des mailles, oui. Mais bref. Voilà, il avance quand je regarde un film ou un truc comme ça, mais c'est vrai que j'ai un peu de peine à le continuer. Surtout que je sais que je vais pas le mettre là maintenant. Alors je récupère des mailles, hein. Voilà. Il faut pas paniquer, hein. Non, bah c'est pas ton genre. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Ah, celui-là je le garde pour la fin. Alors, j'ai, oui, bah, celui-ci, je pense que vous l'avez vu. Hop, je vais retourner mon truc. Le Pink Velvet de Andrea Mori. Il est trop beau. Ouais. En fait, à la base, je vais vous montrer celui-là. À la base, je ne sais pas si tu te souviens. Moi, j'ai défait, en fait, quand Elodie m'a dit, ah, bah, je commence à regarder un peu mes encours et tout ça. Moi, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même commencer à regarder ce que j'ai comme en cours que je ne tricote plus. Et en fait, j'ai défait 3 ou 4 en cours. Et finalement, ça faisait genre 3 ans qu'ils étaient sur mes aiguilles. Hein. Des trucs, ouais. De toute manière, voilà. Je sais pas. Après, tu cherches les câbles, tu cherches tes aiguilles. Bah, c'est ça. Non, mais en plus, ça devait faire même plus que 3 ans parce qu'elles étaient sur des aiguilles Knit Pro. Ah oui. Et je n'y touche plus depuis un petit moment, quoi. Et j'avais un en cours de je ne sais plus comment elle s'appelle, avec plein de couleurs. Et la couleur de base, c'était celle-ci, qui est un gris, d'une teinturière Fileia, 100% Merino, 400 mètres, ardoise, qui n'existe même plus. Bah, j'espère que tu en auras assez. Oui, bah oui, parce que, alors, donc en fait, j'ai ces deux échevaux plus un troisième.
Voilà, j'ai ces trois écheveaux là et j'ai ce gris qui rend assez bien là de Roanne. Oui. Et en fait, ensemble là, je voulais justement faire le velvet. Je sais jamais son nom. Je sais pas pourquoi le nom veut pas rentrer. Le pink velvet de Andrea Mori. Et puis, donc j'avais tout préparé, ma laine, etc. Et puis j'ai fini de filer. Alors, je sais pas si ça va rendre comme il faut, mais j'ai fini de filer cet écheveau. En fait, donc l'écheveau qui est là avec toutes les couleurs et tout ça, que j'ai retordu avec un fil de mohair. Parce qu'en fait, je voulais pas perdre la longueur que j'avais. Avec une pelote de mohair. C'est une bonne idée, ça. Ben ouais. En fait, les chevaux étaient très fluffy. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était les chevaux, les fibres. C'était les fibres qu'on avait achetées chez ce magasin en UK, là. Fibres glace, je crois que j'ai le truc par là. Il y a tes gamins ? Non, Boris, hein, qui vient de passer à me regarder. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle parle toute seule ? T'es prévenu, comme ça, il gère les enfants. Oui, ben c'est mieux, hein. Parce que si tu vois en train de parler devant un écran, ma femme va mal. On a déjà fait un tricoté la semaine dernière. Enfin bon, il s'habitue finalement. Ouais. Il s'habitue. Vous avez plus rien de ma femme a une vie sociale. Je crois que venant de moi, plus rien ne... Ouais. Au bout de presque 20 ans. M'étonne. Ouais, donc c'était une fibre assez fluffy et je me suis dit que de la coupler avec du mohair, c'était une bonne idée. Et comme ça, moi, je ne perdais pas le métrage. Ouais. Je crois que j'ai à peu près 830 mètres, quelque chose comme ça. Ça me donne envie de filer. Mais non, reste là. Non, mais... On dirait les blagues de mon fils. Ah, écoute, hein. C'est l'innocence. Oh purée. C'est comme quand tu demandes, est-ce que vous avez déjà essayé, mais franchement, si vous êtes d'humeur rieuse, de demander à Siri, donc si vous avez Apple, de vous raconter des blagues. Ah oui, bah je te rassure, avec Android, c'est la même. Hein. Ok, Google, quand tu lui demandes de te raconter des blagues, ouais, c'est les blagues carpa. Des fois, donc c'est genre, tu veux que je te raconte une blague à deux balles? Pan, pan. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah non, ça se trouve, Android, il est... Et ça, mon fils, il adore. Ouais, c'est... ouais, mais c'est les blagues carambas. Voilà, bah pff, même pas, je crois qu'il y a même carambas. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était pour la partie blague. Mais ça peut nous ouvrir peut-être des nouveaux abonnements. C'est sûr. Oui, puis alors les meilleurs, à mon avis. Hein. Oh là là. Bref, donc, voilà ce que ça donne. Non, mais... Voilà. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Et pourtant, je sais si j'étais pas convaincue au début. Hein. Donc, parce qu'au début, on commence par cette... Hein ? Parce que ça contraste. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça... Pas assez. Et que, en fait, comme on commence par cette bande de côte, et qu'après on commence. Donc, dans mon fil, il y a des fois, bon là on ne le voit pas, mais il y a des parties qui sont blanches en fait, dans mon fil filé. Comme là, on voit que par exemple, il n'y a pas beaucoup de contraste. Donc, j'ai commencé par une partie vraiment où il n'y avait pas de contraste du tout. Et du coup, je me suis dit, oh là là, alors je voulais quelque chose de très peu nuancé. Mais quand même, je me suis dit, oh, si on ne voit pas, ça ne sert à rien. Et finalement, je me suis dit, ouais, quand même, je continue et tout. Parce qu'en fait, le fil filé main, c'est bien, c'est sympa à faire et tout. Mais après, pour trouver des projets, pour pouvoir les tricoter, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ouais. Alors, Andrea Mori, pour ça, c'est chouette parce que je trouve que ces modalités, on peut facilement utiliser des laines filées à la main, quoi, avec. Et ça rend facilement bien. Mais donc, du coup, j'ai continué et qu'est-ce que je suis contente d'avoir continué. Quoi. Ouais. C'est trop. Ouais. Et encore, à l'écran, je suis sûre qu'on ne se rend même pas compte. Ouais, encore que quand même, on le voit bien, je trouve. Alors, la seule chose que je crains un peu, c'est la taille. Alors, un fil filé main est toujours beaucoup plus élastique qu'un fil filé mécaniquement, quoi.
enfin automatiquement. Et donc, du coup, l'encolure, elle me semble un peu… j'ai peur que ça soit un peu large. Après, à voir. Au pire, je récupère. Hein, et puis voilà. Mais voilà, ouais. J'ai bientôt fini les… en fait, j'ai bientôt fini la partie du motif. Et puis après, il me restera plus qu'à faire avec le fil et main. Voilà, voilà pour celui-ci. Donc, il a avancé gentiment. Le fil et main, ça rend comme les côtes. Ouais. Ouais, là, dans les côtes, là, ici, il n'y a que le fil ouais. Et main, là. Ouais. Ouais, pareil, je me disais, ah, est-ce que je le porterais ? Est-ce que… Mais finalement, c'est des couleurs assez, assez semblables. Je ne sais pas si on voit bien, mais assez nature et tout. Donc, voilà, avec un bas, genre un jeans ou un truc un peu uni, ça devrait le faire. Normalement, il est crop. Moi, je vais aller jusqu'au bout de ma laine, quoi, de toute façon, parce que je ne saurais pas quoi en faire sinon. Et l'autre projet… que pour le moment j'ai laissé un peu de côté, mais vraiment je l'adore celui-ci, et c'est avec un autre fil et main, et je suis bien contente d'utiliser mes fils et main. Hop, c'est le gilet Stone Crop Cardigan d'Andrea Maurice. Hein, d'Andrea Maurice, bah bien sûr, hein. Alors je sais pas si on va le voir comme il faut, parce que comme il est foncé. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Bah là, on voit un peu de contraste, mais du coup, ça rend plus du tout les vraies couleurs. Ouais. Ah, je sais pas si j'arrive à mettre. Vous allez voir tout mon bazar. Ouais. Bon, bref. Donc, voilà. Il est assez foncé. Il est tricoté avec une laine. Hop. Maison Corlaine. Donc, Maison Corlaine, c'est toujours des couleurs hyper flash, hyper profondes, en fait. Enfin, pas flash dans le genre fluo, hein, non, au contraire, mais elles sont hyper profondes, en fait, ces couleurs. Et une autre laine, filet main. Alors là, ça ne rend pas du tout, parce qu'en réalité, il y a du… là, par exemple, on est sur une nuance rose, alors que là, vous la voyez bleue, à mon avis. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Ah, c'est marrant, hein, quand je m'approche. Quand j'approche ça, tout devient bleu. Et quand je recule, voilà. Bref, donc j'ai associé les deux laines ensemble. Et donc, je suis en train de faire ce fameux cardigan que vous ne voyez pas. Voilà, là, un peu. Donc, il est stické après. Il est stické. Et celui-ci, donc, il est stické. Hein. Donc, on a les sticks un peu… Vous les voyez juste là, ici. Donc, on a bien les sticks. Et alors, vous voyez là, là, elle est bientôt oui. Là, et il y a des bubbles, voilà. Et alors, c'est des bubbles, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est des bubbles qui sont prises dans une torsade. Il y a une espèce de jeu de torsade là, au milieu de la bubble, pour la mettre vraiment en évidence. Et alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Si vous voyez bien, mais là, vous voyez, là, autour, ouais, là, il y a… Je l'ai vu en photo, donc… Voilà. Bref, c'est des bubbles qui sont faites avec un crochet. Voilà, voilà. C'est super sympa, hein, les bubbles avec des crochets, parce que à peu près… alors, le premier, ça va, il est petit, mais le deuxième, je pense qu'il faut à peu près 7 jours pour faire un rang. Mais sinon, ça va aller. heureusement qu'il y a ma laine filée à la main. Sinon, je pense que je l'aurais abandonné, en fait. Tout simplement. Et en même temps, je l'adore. J'ai vraiment hâte de le finir. Donc là, j'ai fini la séparation des manches. Et j'ai fait un rang de bubble pour commencer le corps. Donc, pareil, il est cropped. Il est comme ça tout le long. Hein. Il est un rang de bubble, un rang de jacquard. Hop. Voilà, un rang de bubble, un rang de jacquard, un rang de motif, un rang de torsade, un rang de jacquard, un rang de bubble. Comme ça tout le long, jusqu'en bas. Et pareil, je finirai quand j'aurai fini mes deux échevaux. Voilà pour mes projets en cours. Alors, j'ai un autre projet, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le droit d'en parler. Hein. qui est en cours sur mes aiguilles. Donc, voilà.
Et j'avance à fond dessus parce que je veux de pas du tout être en retard. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Et je pense que une fois que j'aurai fini le Pink Velvet, et ben chose pas courante, je crois que je commencerai l'autre Pink Velvet que j'avais prévu en gris. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai arrêté mon rang. Pour pas recommencer un rang, oh, c'est horrible. J'ai alors bah, que ce soit en fond. C'est rose ou non, c'est rouge. Ah oui, c'est rouge. Ouais. Te connaissant, ça m'étonnait rose, justement. Du rose, ça va vraiment pas là. C'est impossible. Voilà, c'est pas si mal. C'est rouge cerise, il s'appelle. Donc, c'est Yarn by Simone. C'est ça, Merino, voilà. J'ai acheté. Ouais, je crois que vers le bas, on est pas mal. Si on regarde le bas de ton écran, là, on est pas mal. Au début du confinement, quand on pouvait, enfin, quand il y avait encore des colis, etc. Donc, vraiment, mi-mars, j'ai commandé 3 échevaux qu'elle avait en stock, d'ailleurs, de cerises. Et c'est dommage parce qu'elle m'a dit après, en privé, qu'elle avait aussi le mohair cerise qu'elle avait. Et sauf qu'il n'était pas sur le site, donc bah, j'ai pas voulu l'embêter avec mes questions, etc. Donc, je pensais qu'elle n'en avait pas tout simplement. Mais j'ai pris, ça m'a permis de tester la Tilia, donc de Ficolana. Donc, tu l'avais achetée où celle-là? Donc chez Triscott. D'accord. C'est 25 grammes pour 210 mètres. Moi j'ai l'habitude de tricoter la Drops. J'avoue que celle-ci, au niveau quali, est un peu meilleure. Elle est peut-être un peu plus chère, je ne me rappelle plus exactement le tarif. J'en ai pris 6 comme ça. Voilà. Et les deux ensemble, bah ouais, mais sauf que ça ne rend rien du tout. Ah, quoi que. Enfin, on voit, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de démarcation. Ouais, ça adoucit, en fait, celle-ci adoucit un petit peu le rouge. Mais le résultat me plaît énormément. C'est méga doux. Elle est plus douce, le mohair que tu as là, il est plus doux que celui de Drops? Ou c'est la même chose? Voilà, peut-être à peine plus doux. À peine plus doux. Après, ça, c'est des ressentis, quoi. Hein, c'est, ouais. Voilà. Et donc, je fais enfin, depuis le temps que je veux le faire, dans ma tête, il a été noir, il a été bleu marine, voilà. Je fais enfin le gilet rendez-vous. Donc, j'ai mis une photo hier de Atelier Émilie. Ouais. Ah, il va être trop beau. C'est un bonheur. Je ne peux plus le poser. Je l'ai commencé il y a 2-3 jours. Je ne peux plus le poser. Donc, on commence par faire, en fait... comment c'est ? Attends, parce que là, il y a des augmentations. Bref, on commence par faire la bande d'encolure gauche-droite, enfin droite-gauche. Voilà. Et ensuite, on va relever des mailles le long de l'encolure-là. Et ensuite, on va faire nos augmentations. Parce que l'encolure, elle est doublée? Et non, c'est des côtes. C'est marrant, hein? Ah ouais? C'est marrant parce qu'avec côtes. L'effet fluffy, on dirait qu'elle est, tu sais? Ouais, et ben, en fait, c'est des côtes et un I-cord un petit peu particulier. Ah, c'est ça. Normalement, un I-cord, on met le fil devant, on fait glisser trois mailles. Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait ça. On glisse pas toutes les mailles. Mais ça donne comme un rebondi un peu, non? Ouais, bah, tu vois, ça fait... Ouais. C'est vraiment une magnifique bordure. Ouais. Donc, on fait les augmentations raglan avec l'encolure V. Donc là, j'ai terminé l'encolure V et je fais les augmentations manche d'eau et devant. Voilà. Il me reste peut-être une vingtaine de rangs avant de séparer. Puis après, jersey. Ce que je trouve moi sympa, c'est que la bande du coup de boutonnage est faite au fur et à mesure. N'est-ce pas? C'est ça les petits trous? Ben oui. Avec les boutonnières, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme bouton. J'ai pas réfléchi, peut-être des boutons dorés ou je sais pas, ou peut-être des petits boutons en bois. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore décidée. Je verrai quand ce sera fini. Donc je pense que c'est un gilet en 2 semaines qui devrait être. Ça se tricote habituellement en 4. Moi, je suis en 3,75. Ouais, puis c'est un basique, hein. Tu peux le faire dans plein de couleurs au final. Ah ben ouais, donc voilà, je voulais vraiment faire celui-ci. Donc nous, l'été arrive et on tricote du mohair. Ouais, bah peu importe. De toute façon, l'hiver revient tous les ans. Hein. Ah ça, normalement. C'est le principe. Puis bon, moi, ça ne me pose pas de problème à l'intersaison de porter
des pulls chauds. Enfin, je veux dire, quand il fait 15-18 degrés, moi, je supporte assez bien un pull. Oui. Là, c'est mon prochain projet. C'est une laine qui est hyper douce que j'avais achetée à côté de Strasbourg. Je sais plus, la Grange à laine. Je me souviens plus. J'étais allée avec, des copines. C'est un peu noisette ? C'est noisette. Noisette caramel. Là, la couleur, elle est juste. Elle est juste. Ouais. Donc, c'est la laine de Lana Grossa qui est hyper, hyper, hyper douce. C'est, chaque balle fait 50 grammes pour 200 mètres. Donc, c'est une laine fingering. C'est 100% alpaga. D'accord. C'est hyper, hyper doux. Et en fait, je vais tricoter les deux ensemble pour faire... je vais faire mon mouton, mais pour faire le Love Note de Tinkan Knit. D'accord, que j'adore, ouais. Et que, qui sera parfait. Toi, par exemple, là, je mets des robes, une robe noire simple et juste en crop dessus. Ce sera très, très joli. Voilà. Si ce n'est que... je crois que c'est en 6 mm, mais moi, en 6, mon échantillon était beaucoup trop grand. Et du coup, en 5, j'ai prêté mes aiguilles. Donc, il faut que j'essaye en 5,5 si l'échantillon est bon. Mais ça, ce sera le projet d'après. Tu as prêté tes aiguilles ? Non. Tu as dit ? J'ai prêté mes aiguilles, oui. Ah. Mais c'est un... Au cas où, j'en ai, hein. Oui, bah, tu as des Chiaogu ? Oui, je dois avoir des Chiaogu 5. Tu sais que je suis pas redescendue à Bellegarde depuis le 10 mars. Bah ouais, moi je. Bah si, hier j'ai juste été à la Migros de Thoiry pour acheter des trucs à Patrick. J'ai bien cru que j'allais mourir, mais. Ouais. J'ai fait le tri de mon stash. C'est By Gladys qui avait fait un petit hashtag montre ton stash, sors ton stash, je ne me souviens plus. Donc moi, j'avais pas voulu. Stash. Et en fait, je me suis retrouvée avec tous ces gris là, tous ces gris noirs, etc. Et comme je ne vais pas faire de châle gris parce que je le porterai, c'est plus ce que je porte. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Donc, en fait, c'est de la Madeleine Tosh. Bah, il paraît un peu rosé. Oh, non. C'est de la Madeleine Tosh que j'avais acheté pour faire le Excuse Me Shawl. Voilà. Et ça, c'est de la... Elle est super douce. C'est de la laine Merino, soie et yak, je crois. Qui est pareil, très, très douce. C'est de la single. Ça aussi, c'est de la single. Et du coup, je me suis dit, mais les deux ensemble, c'est sympa. Mais pour faire quoi ? Et donc, j'ai fait un échantillon machine. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait un échantillon machine. Je ne sais pas si vous... Alors, je ne sais pas si je vais prononcer correctement, mais moi, j'adore le compte de Sophie Okiera, qui habite en Normandie. Et qui fait en fait des pulls. Elle fait toute la partie corps, manche. Mais c'est surtout pour les enfants, non ? À la machine à tricoter. Non, je crois qu'il y a des modèles adultes. Ah ouais, je n'ai pas fait attention. Donc, avec un motif de jacquard. Donc ça, je l'ai fait à la machine. Donc mon échantillon est fait. Il est bloqué. Et le... C'est trop beau. Bon. Même derrière, en fait, c'est beau. Ouais. Donc voilà, et donc mon échantillon est bloqué. J'ai fait tous mes calculs pour faire donc mes rectangles, manches, corps, etc. Ensuite, je vais les rassembler et je ferai un yoke. J'ai dessiné un motif de torsade, enfin mi-dentelle, mi-torsade. Du coup, le bas sera en jacquard et le haut sera ton motif de torsade. En noir, oui. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un autre projet, peut-être pour l'été, j'en sais rien. Quand j'aurai envie de faire de la machine, ça me fait vite mal aux épaules, en fait. Ouais. Ouais, parce que voilà. C'est un mouvement assez... Moi, je ne peux pas montrer parce que j'ai bloqué l'iPad, mais c'est tout installé ici, mon bazar. Moi, je sais. Ouais. Donc, voilà, pour mes encours et mes prochains projets. Okay. Déjà pas mal, hein. Et j'ai... Enfin non, j'ai des chaussettes, mais on sait que les chaussettes, ça ne compte pas dans les encours. Donc du coup, je n'ai plus qu'un seul encours. Oui, bien sûr. Bah si. Mais... pas pour longtemps. Mais si. Ah si, là, celui-là, j'ai tellement envie de le porter. Ouais. Bah tu vois, là, j'avais mis ma robe givre noire et je me rends compte, en fait, j'ai aucun joli gilet pour mettre. Ouais. Ouais, moi, c'est un peu ce que j'ai aussi avec le
Stone Crop Cardigan, là où vraiment j'aimerais bien le finir, mais en même temps, il faut que je finisse ce pull aussi, parce que vraiment, il reste que les manches. Et moi, je me connais, si j'arrête là maintenant, non, il va rester 3 ans. Franchement, là, c'est que du jersey. Bah oui, c'est ça. Ah. C'est ça. Donc, voilà. Celui-ci, souvent, je le prends quand je vais voir Charline, justement. J'ai pas besoin de réfléchir, tu vois, et que du coup, bah, je l'avance comme ça. Bon, finalement, on a réussi à tourner. Ah, je voulais juste vous parler d'un truc et à toi aussi. Ah bah voilà, si vous voulez, j'ai 2 fils parce que la dernière fois, vous aviez demandé. 2 fils filet main. Enfin, 1 fil filet main et 1 fil retordu. Donc, j'ai retordu ma tresse. J'en avais parlé la dernière fois. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Il veut bien faire la... Je sais pas si ça fait la mise au point, en fait, ces machins. Ben, peut-être. J'ai pas l'impression qu'il bouge, tu sais. J'ai pas l'impression qu'il fait la mise au point. Bref, c'est un fil retordu. Et ça, c'est la tresse que j'avais achetée chez Lanae. Lanae Tricot au Knitit Festival. Et donc, je l'ai retordue sur elle-même. Maintenant, il va falloir que je la... mettre sur mon parapluie, en fait, sur mon parapluie, enfin, bon, ce que j'appelle mon parapluie, c'est mon dévidoir. Et sur mon dévidoir, en fait, j'ai calculé la circonférence, j'ai fait un trait sur la barre au milieu, qui est à 1m50, et comme ça, je sais, je compte 1 tour, 2 tours, 3 tours, et je sais qu'un tour, c'est 1m50, et c'est comme ça que je calcule la longueur de mes échevaux, en fait. Donc, celui-ci, il est bientôt prêt à passer là-dessus, parce que, ben, je crois que d'ailleurs, l'Anaé, donc Anna en parle, il faut toujours, quand on commence, que ce soit filé ou que ce soit retordu, laisser un petit moment sur la bobine, le temps que le fil se décante un peu, se détorde et se mette en place avant de commencer à le mettre en écheveau. Sinon, vous avez un écheveau qui va partir dans tous les sens et qui est moins facile à traiter. Et puis, hop, j'ai fini de filer. Donc ça, c'est un seul brin. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça c'est un seul brin. Donc j'ai fini de filer cette tresse-là, qui est de l'alpaga alpaga soie. Et je ne sais pas encore avec quoi je vais la retordre. Voilà, il y a du noir, du bleu et un peu de violine. Et sinon, je voulais en parler. Alors j'ai commandé, c'est la première fois que je le fais. J'ai commandé chez Hobby. C'est pas la première fois que je le fais parce que c'est vrai qu'en général ils vendent plutôt des laines plutôt acryliques ou des laines voilà, c'est vrai qu'elles sont vraiment pas chères, mais moi c'est pas forcément ce que je tricote. Par contre, ils avaient ce modèle là alors je vous en avais déjà parlé, je vous avais parlé de celui que j'ai de chez je crois que c'est Knitpro. Ouais, c'est ça, hein. C'est celui-ci là. Alors attendez, je vais peut-être pas vous montrer tout le modèle. Ouais, celui-ci là, un petit chevalet, mais qui est petit. En fait, quand on l'ouvre, alors je ne vous montre pas de l'autre côté parce que j'ai l'affiche, mais quand on l'ouvre, voilà, on peut mettre une demi-feuille à 4, en fait. Alors que là, Hobby, ils en ont fait un grand. Bon, c'est pareil, je ne peux pas trop vous montrer de l'autre côté. Mais donc, du coup, on a une feuille complète à 4. Je vous montre vite fait, mais voilà, vous voyez ? On a une feuille à 4 et donc on le met en chevalet comme ça. On l'accroche là. Et franchement, alors, les aimants sont hyper, hyper efficaces. Franchement, il est pas mal. Hein. Je me demande si je ne vais pas m'en recommander un autre. J'en avais juste commandé un pour voir. Donc, c'était un tout petit peu avant le confinement. Il est arrivé là il y a une semaine. Hein. Il a mis un temps de fou à arriver. J'ai même cru qu'il était perdu. Mais voilà. Donc, vraiment, c'est pas mal. Si jamais, voilà, pour suivre les grilles de jacquard, pour suivre les grilles de torsade et tout ça. Enfin, moi, je sais que maintenant, sans, j'ai un peu de peine à faire sans. Voilà. Et puis, bah, je me suis remise un peu à la couture. Alors, c'est pour ça que j'ai moins de temps aussi pour le tricot. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était une sacrée expérience. Je sais pas ce que ça donne. Ouais. On va voir au montage. Comme je disais, ça va me changer de l'autre, de l'autre qui dure 7 minutes, que vous avez déjà été voir, je pense, parce que la dernière fois, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai 24 vues. Et
24 vues, elle a été mise à 11h pile. Voilà. Donc, vous aurez deux vidéos en pas longtemps, quoi. Quelle chance. Oh là là. Ouais. Ouais. Donc, après, on verra si on peut se revoir en vrai ou pas. Ou ouais. Si on... À la prochaine fois, normalement. On verra dans quelle couleur on est. Ça devrait évoluer quand même. Bah, on était orange là, donc a priori. Ouais, orange. Il faut attendre. Ouais, c'est ça, c'est le 7. Alors on est orange parce que le nombre de cas ça va, mais je crois que c'est le nombre de. On n'a pas assez de. Ouais. On n'a pas assez de. Bah, de toute façon, on est dans un désert médical, donc. Ouais. Bah là, on en a la preuve au moins. Comme je dis aux enfants, faut pas vous casser une jambe en ce moment. Ah non, ben moi, c'est la première chose que j'ai dit à Nathan pendant le confinement. Je lui ai dit, ah, franchement, là, maintenant, tu te casses rien parce qu'on n'ira pas à l'hôpital. Mais bon, t'es quand même obligé d'y aller. Non, c'est moi qui répare. Ah oui. Oui. Un petit bout de poil, puis c'est bon, c'est réglé. Ah bah franchement, j'ai des aiguilles, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Enfin bon, bref, c'est quand même bizarre. Cette période est très, très étrange. Moi, pendant les deux semaine, j'ai quasiment pas tricoté, un truc de fou. J'arrive pas à me mettre dans un livre ou voilà, et j'ai l'impression de passer ma vie à cuisiner ou faire le ménage. Ouais, alors moi c'est vrai que la cuisine, j'en peux plus quoi. J'ai plus d'idées, j'ai plus. Alors après, je suis certaine, mais sûre et certaine que je ne me reconvertirai jamais comme maîtresse. Tu vois? Ah oui, c'est ça. Encore, moi ça va, Nathan, je remarque là finalement il est assez indépendant. D'ailleurs l'ordinateur avec lequel j'enregistre, qui était le mien à la base, un petit ordinateur que je m'étais acheté pour quand je voyageais en train là, pour avoir un ordinateur. Et jamais j'aurais pensé que finalement ça allait devenir le sien. Et parce qu'en fait il suit ses cours sur Discord, donc deux fois par jour, 1h30. Et donc ça lui fait 3 heures de cours avec le prof, donc ils sont tous ensemble dans la classe. Je sais pas comment le prof y fait, hein, parce que moi il est à côté de moi, Nathan, il a le bureau à côté de moi, et les gamins ils parlent tous ensemble, les 25 gamins parlent ensemble. Alors maintenant en plus ils parlent ensemble dans la vidéo et ils écrivent ensemble. Je deviens fou. La maîtresse elle coupe les micros, ils ont leur micro fermé. Oui, bah moi, ils coupent les micros, mais ils ont trouvé le moyen de remettre les micros. Donc, en fait, ils se parlent entre eux, ils chatent entre eux. Non, mais enfin bref. Et il a ses devoirs sur Éducartable. Et là, pendant les vacances, il a eu des devoirs aussi, hein, tous les jours. Ouais, bah moi, j'ai vu le maire, il n'est pas sûr de rouvrir l'école. Donc. C'est vrai. Je l'ai vu là tout à l'heure avant d'enregistrer. Bon, de toute façon, c'est 15 gamins par classe, je crois. Enfin, nous, c'est plus que 15. Nous, c'est pour tenir les 1 mètre, il dit qu'il faut qu'il y ait la moitié des enfants en moins. Donc, tu vois, moi, ils sont 20, il faudrait qu'ils soient 10 dans la classe d'Ethan, par exemple. Oui, bah nous, c'est à peu près ça. Donc, après, c'est comment ça se passe. Et puis, moi, si je dois recommencer. Alors, Patrick, de toute façon, il n'a pas vraiment arrêté le travail. Hein, donc, il travaille en Suisse et lui, il travaille sur des chantiers. Oui. Donc, il est bien obligé de se déplacer. Moi, j'ai de la chance. Donc, je suis chef de projet dans le web. Donc, je peux totalement travailler depuis la maison, mais si à un moment donné, mes boss me demandent de revenir. J'ai de la chance de ne pas avoir trouvé. Tu vois, mais t'imagines si tu avais eu le job et puis que. Ouais, au final. L'offre que j'ai refusée, là, je devais commencer dans une banque, donc les banques, elles continuent. Hein, donc. Ouais. Ouais, comme quoi, des fois, en fait. On les applaudit pas, mais ils sont d'accord. Ouais. Non, mais comme quoi, des fois, voilà. Et puis après, y a aussi l'autre côté du confinement où, voilà, j'ai passé quand même plus de temps avec mon fils. Maintenant que j'ai de nouveau le droit d'aller voir mon cheval, ça va mieux. Parce que j'avoue que le premier mois plus le demi-mois, là, sans voir mon cheval, c'était vraiment très, très dur. Quoi. C'est là où je remarque que c'est quand même une sacrée bouffée d'oxygène pour moi d'aller voir. Et puis le lieu où il est, etc. Donc là, maintenant, je peux aller le voir. En plus, elle a tondu les moutons, les nénoirs du Valais. Donc, on s'occupe de la toison et tout ça. Donc, ça va mieux. Donc, au final, je me dis que c'est aussi… c'est pas une chance, le Covid-19, hein, du tout. Mais voilà, il y a quand même des côtés qui sont… positif quand même, où je passe plus de temps à la maison, je passe plus de temps avec mon fils et le grand aussi,
Mais voilà, essayer de voir quand même les côtés positifs, sinon, sinon tu t'en sors pas, quoi. Bon, après, on est dans une région sympa aussi. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on a les inconvénients d'habiter à la campagne toute l'année, mais là, pour le coup... Ah bah oui, c'est clair. Ouais, ouais. Moi, je sors, voilà, je suis dans la nature, je peux promener mes chiens, je suis dans la nature. C'est clair. Et puis, on est dans des maisons avec des extérieurs. Je veux dire, j'ose même pas imaginer, moi, ma sœur, voilà, elle est dans un appartement. Alors, heureusement, elle a déménagé dans un plus grand appartement, mais même en appartement avec sa petite fille qui a 2 ans et demi maintenant, Léna... Ouais, et puis bah, ma nièce, elle est née en mars, donc on n'a pas pu fêter les anniversaires. Ma sœur est née en mars aussi. Donc oui, voilà, bah, là, il y a eu... Bah, le tien... Voilà, là, il y a eu celui de Patrick, il va y avoir le mien, alors normalement le 17. On verra. J'ai commandé les quart d'heure, les rouleaux, là, à garder. Le drum quart d'heure. J'ai le mot en anglais. Non, mais alors là, il y a le truc. J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Donc, j'espère qu'il va bientôt le retomber. Oui. Donc, voilà, voilà. Non, mais je te dis, j'ai plus qu'à filer l'année noire après. Bah oui. Le drum quart d'heure, là, en fait, tu passes la toison. Enfin, la toison, entre guillemets, déjà écharpée un peu, mais tu la passes dedans et puis ça te sort un gros coussin que tu peux filer, hein. Donc, voilà, voilà. Du coup, elle va que les filer à la main ou elle va les donner à une... Non, elle en a que deux. Alors, de toute façon, elle va pas les donner. Là, elle a trouvé peut-être une femelle. Donc, il y en a un qui est castré dans ces deux. Il y en a un qui est castré, un vieux qui est castré et un plus jeune qui est pas castré. Donc, du coup, voilà, l'idée éventuellement d'en avoir plusieurs. Là, elle a eu des bébés, des petits chevreaux. Ouais, moi, j'ai hâte de voir Camille de Pan, sa laine. Oui. Ouais, ça avance bien. Bah, et puis là, Charline me parlait de chef mohair. Ah ouais. Donc, Ogora. Ouais. Donc, voilà. C'est bien. Ouais. Ça va devenir une vraie ferme. Et ouais. Donc, voilà, voilà. On va aller nourrir les ptios. Oh. Ouais. C'est obligatoire. Au bout d'un moment, après, ils ont faim. Ouais, mais jour. Non, un jour de jeûne, là, c'est bien, ça. Non, eux, ça ne marchera pas, je pense pas. Tu vois, genre, par exemple, à 16h00, ils sont là. Maman, c'est l'heure du goûter. Même à 2h de l'après-midi. Voilà. Mais non, regarde, il n'est pas 16h, là. Il est 21h. C'est l'heure d'aller se coucher, là. Ah, ils ont une horloge dans la tête. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Bon, ben voilà, on met ça en ligne, puis on voit ce que ça donne. On met ça en ligne. On espère que ça vous aura plu. Ouais, un format un peu différent. On espère que le prochain ne sera pas comme ça. Bah ouais, ce serait bien. Bon, en même temps, on ne tourne pas toutes les 2 semaines non plus. Donc, non. D'ici un mois, on devrait pouvoir se revoir peut-être. Enfin, j'en sais rien. On aura peut-être des masques. Les masques et puis le masque transparent et puis des gants. Ouais, il vaut mieux en rire. Bah, tu veux faire quoi? On va pas pleurer pendant un mois et demi, hein? Non. On va pas pleurer pendant un mois et demi. D'ailleurs, c'est à cause des masques que je me suis remis à la couture. Parce que j'ai commencé à faire des masques pour ma mère, pour moi et tout ça. Et du coup, ça m'a redonné envie de coudre, hein, tu vois. Donc, toujours voir le côté positif. C'est ça. Bon, bah allez, on vous laisse là-dessus. Et ouais. Puis, vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Gros bisous. Voilà. Bye bye. Ciao. Alors.